Bonjour tout le monde, avec vous Linda Ktader. Aujourd'hui ensemble, nous allons réaliser une recette très facile d'un dessert, très connu, le tiramisu. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de réaliser pour vous cette recette, mais avec du citron pour changer un petit peu de la recette classique qui est à base de café. Comme j'avais beaucoup de citron dans le réfrigérateur, j'ai décidé d'utiliser et de partager avec vous cette recette. Vous allez voir, elle est très facile et pour les gens qui adore le citron, vous allez vraiment vous régaler. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre dessert d'aujourd'hui, le tiramisu au citron, j'aurai besoin bien sûr de biscuits à la cuillère. Vous pouvez le trouver partout. Pour les gens qui habitent à l'étranger, il y a à Lidl, surtout quand c'est la semaine de l'Italie, on ramène et à de très bons prix. Sinon, vous trouverez aussi dans les magasins turcs, même dans les grandes surfaces, ça se trouve partout. J'aurai besoin de 3 œufs à température ambiante, de citron. Là, j'ai de la crème liquide. J'ai du sucre, du mascarpone. Pour ce qui est du mascarpone, je l'ai fait sortir, ça fait 1 heure, donc il doit être à température ambiante. Suivez-moi, nous allons passer à la préparation de notre dessert d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais préparer le jus dans lequel je vais tremper tout à l'heure les biscuits à la cuillère. Juste une petite astuce pour extraire plus de jus de votre citron. Essayez de faire ce geste-là pendant à peu près 30 secondes, ou sinon, vous pouvez le mettre dans de l'eau bouillante pendant 1 minute. Vous allez extraire le maximum de jus de citron. En tout, j'aurai besoin à peu près de 5 cuillères à soupe de jus de citron. Et bien sûr, j'aurai besoin du zeste tout à l'heure. Voilà, donc j'aurai besoin du citron. Voilà, là j'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe de citron. Je vais ajouter à ce jus de citron un verre et demi d'eau. Voilà, un verre. Et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Pour les mesures, vous les trouverez tout à l'heure dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, là je vais le réserver de côté. Là j'ai 2 saladiers, je vais séparer les blancs des jaunes. Pour le petit, je vais mettre les jaunes. Nous allons travailler la crème au bain-marie. Là, dans une petite casserole, j'ai mis de l'eau. Je vais mettre dessus mon petit saladier dans lequel j'ai mis les jaunes d'œufs. Il est très important que l'eau ne touche pas le saladier. Je vais ajouter aux jaunes d'œufs 90 g jusqu'à 96 g de sucre cristallisé. Je vais mélanger sans arrêt jusqu'à ce que la couleur devienne plus claire. Comme vous voyez, le mélange il a éclairci. Là, je vais le mettre de côté. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser refroidir un petit peu. Après avoir laissé refroidir, là, je vais ajouter le fromage. Moi, ici en Angleterre, j'utilise celui de Lidl. À chaque fois, ils améliorent la qualité de leurs produits. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter à ce mélange 2 cuillères à soupe de jus de citron. En tout, j'avais utilisé 3 citrons de taille moyenne. Je vais ajouter un peu de zeste de citron. Je vais garder un petit peu pour la décoration tout à l'heure. Mettre de côté. Là, comme vous voyez, j'ai de la crème liquide. Je vais fouetter cette crème liquide jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. Je vais incorporer la crème fouettée à notre crème au citron. Voilà. Voilà, je vais la mettre de côté. Et nous allons monter les blancs en neige. Une pincée de sel. Voilà,
Voilà, ma meringue, elle est prête. Je vais l'incorporer à ma crème en 2 à 3 fois. Voilà. Toujours de bas en haut. Jusqu'à épuiser toute la quantité. Là, ma crème, elle est prête. J'ai tout simplement transféré dans le grand saladier. Là, comme vous voyez, j'ai un moule carré dont les mesures sont 23 sur 23. Je vais prendre les biscuits à la cuillère. Voilà. Parce que le sucré était dans le fond. Je vais tremper les biscuits et les mettre dans le fond de mon plateau. Pareil, je vais mettre la couche de notre crème pour couvrir notre tiramisu au citron. Voilà mon tiramisu, il est prêt. Je vais tout simplement le réserver dans le réfrigérateur pour à peu près 3 à 6 heures, pour un meilleur résultat, de préférence 6 heures. Vous pouvez tout simplement le préparer la veille pour le lendemain. Voilà les amis, notre tiramisu au citron. Bien sûr, avant de le mettre dans le réfrigérateur, j'ai couvert avec un film alimentaire. J'ai laissé reposer à peu près 3 heures. Mais sinon, vous pouvez, comme je vous ai dit, le préparer la veille. Je vais décorer avec du zeste de citron. Nous allons couper un morceau et voir comment il se présente. Voilà les amis, notre tiramisu, comment il se présente. Voilà, bien imbibé, les biscuits sont bien imbibés avec le citron. Il n'est pas trop sucré, il est très très léger. Personnellement, je préfère cette version à l'original, celle qui est au café et au cacao. Je trouve que cette version, elle est plus légère, regardez. Regardez comment il se présente. Surtout le citron, le zeste lui donne vraiment un plus. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était le tiramisu, mais une autre version tiramisu au citron. Vraiment une recette que je vous recommande, idéale lorsque vous recevez des invités. Je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Bon début de semaine et à la prochaine vidéo.